La place est libre? Elle l'est. Je vais vous aider. Oh, mon sang, il est bien lourd. Ouais, quand on part 6 semaines, on a besoin de tout un attirail. Enfin, je parle pour moi. Merci beaucoup. Rien de plus naturel. C'est vous qui le dites? D'habitude, je dois me débrouiller toute seule avec mon gros sac. Ah, c'est que vous n'avez croisé que des goujats. Jusqu'ici, oui. Faut dire que vous êtes d'une autre génération. Oui. Ah, c'est ce qu'on appelle faire une bourde. Je ne sous-entendais pas que vous êtes vieux. Comparé à vous, on peut... Ça se voit tout de suite. Où est-ce que tu vas? Tu te souviens, non? J'ai rendez-vous avec Schmuckle. Vous vous êtes déjà vu la semaine dernière, il me semble. Oui. Il m'a rappelé. On doit encore discuter de 2 ou 3 choses. J'imagine que c'est très sérieux pour que tu renonces à ton émission sportive favorite. Ça l'est, Rita. Ça l'est. Sans Schmuckle, notre association peut mettre la clé sous la porte. Oui. Alors, Phil, amusez-vous bien. Ça, fais-nous confiance. Je risque de rentrer un peu tard, d'ailleurs. Je commence à le savoir. Six semaines de vacances non-stop. Il n'y a qu'une étudiante qui puisse se permettre ça. Bien joué, juste dans le mille. Et qu'est-ce que vous étudiez? La psychologie à Munich. Et vous, vous faites quoi? Essayez de deviner. Je vous verrai bien dans les assurances. C'est la meilleure, celle-là. C'est frappant à ce point. Je n'étudie pas la psycho pour rien. Au fait, je m'appelle Lola. Moi, c'est Gert. Disons que ça correspond à mon âge, ce prénom. C'est joli, Gert. Ah, ça. Non, tu plaisantes? Je suis très sérieux. Je ne m'attendais pas à toi de si tôt. Je suis l'homme le plus imprévisible. Tu es en voiture, d'après ce que j'entends? Oui. Et tu vas où? Devine. Non! Ne me dis pas que tu passes me prendre! Et sur le chemin du retour, je suis allée voir des amis. Oh, mais je suis une vraie pipelette. J'espère que je t'ai pas trop gavée. Ça, c'est ce que j'appelle chercher des compliments. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons en gare de Munich. Quoi, déjà? Eh oui. C'est passé à toute vitesse, grâce à toi. Je te retourne le compliment. Attends, je vais t'aider. Laisse, je m'en charge. Attends, je vais te donner un coup de main. Oh, dans l'autre sens. Oui. Non, le sac à dos, dans l'autre sens. Oh, d'accord. Quel imbécile. On se reverra peut-être. Avec joie. Merci pour le café. Y a pas de quoi. Salut. Combien je vous dois? 3,80 €, s'il vous plaît. C'est bon. Merci. Bonne journée. Je me serais manifestée. Non, ça a été aucune surprise. Et pour mon argent? Ok. À plus tard. Tu dois repartir dès demain ou tu restes jusqu'en début de semaine? Ni l'un ni l'autre.
Je reste la semaine entière. Tu es sérieuse? Mm-hmm. Je dois visiter des appartements. Ici, à Munich? Où veux-tu que ce soit? J'ai déjà donné mon préavis à Stuttgart. Tu aurais pu m'en parler. Qu'est-ce qui t'a pris? J'en avais envie. Robert, on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tout était pourtant parfait entre nous. Tout était parfait pour toi, Robert, pour toi. Tu me mets la pression. Je ne fonctionne pas comme ça, moi. Je ne te mets pas la pression. Je veux que tu prennes enfin une décision. Ça te prend comme ça du jour au lendemain. J'ai une excellente raison. Je suis enceinte. Alors, comment ça s'est passé? C'est bien, je croyais, mais là... Le type est un poulet et personne ne m'a rien dit. Comment tu le sais? Tiens. Comment je vais faire? Je te l'avais dit. Ça sentait mauvais. Oh, merci pour le soutien. C'est tout ce que je voulais entendre. Tu as complètement perdu la tête ou quoi? Tu as vu l'heure qu'il est? Je fais ce que je veux. Mais, comme te saouler par exemple. Ça s'est mal passé? Elle a refusé tes avances? Ça fait longtemps que je le sais, Robert. Même si j'ai fait semblant de l'ignorer. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? J'espérais que ça s'arrangerait tout seul, un jour ou l'autre. Rita... Il va falloir que ça cesse, Robert. Tu ferais bien d'y réfléchir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Gert. Alors, quoi de neuf ce week-end? J'utilise mon joker. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon portefeuille a disparu. Et tous mes papiers avec. Oh non, ben te v'là dans une belle poisse. Tu l'as égaré? Ça, j'ai du mal à y croire. Bon, on te l'a volé alors. Quant à ça, je n'ose pas l'envisager. Pourquoi? C'est pas marqué sur ton front que t'es un méchant flic. Très, j'écoute. Une minute, je vous le passe. C'est pour toi, une certaine mademoiselle Winkler. Winkler, qui ça peut bien être? Ici, Ayman. Bonjour, Gert. C'est Lola. Lola? Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai... Il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai pris ton portefeuille dans ta veste. Tu as... vous avez fait quoi? Je sais, j'aurais pas dû, mais j'ai pas réfléchi. Vraiment, je suis désolée. Je dois vous croire. Mais tu sais pourquoi je l'ai pris? Je dirais plutôt volé. J'ai fait ça pour te revoir. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, vous. Décider de me voler mon portefeuille juste pour me revoir? Vous ne manquez pas de culot, vous. Oui, je sais. Je suis vraiment désolée. Je saurais me faire pardonner. Et comment comptez-vous vous y prendre? Je t'invite à dîner. Avec mon argent? Ce soir, Olios. Vingt heures pétantes. Je crois que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter si je veux récupérer... Et mon portefeuille. Tu vois où se trouve le Léos, non? Oui. Bon, alors à ce soir. J'ai hâte d'y être. Tu devrais te réjouir, t'as retrouvé ton portefeuille. C'est dingue, cette histoire, non? Donc, tu fais ce genre de rencontre au mariage de ta cousine? Eh ben, sacrée famille. Non, c'était dans le train, en revenant. Bon, allez, mettons-nous au travail, maintenant. Tout de suite, cher collègue.
S'il vous plaît, je pourrais avoir un verre de vin blanc pétillant. Petit ou grand? Un petit. Tout de suite. Merci. Allez, l'addition, s'il vous plaît. Tout de suite. C'était quoi, ça? Comment ça se fait que tu sois déjà sur les lieux? C'est un pur hasard, j'avais rendez-vous ici. Ah oui, avec ton portefeuille. Oui. Tu sais ce qui s'est passé? Pas vraiment. J'étais là-bas, j'ai entendu deux coups de feu, alors je suis sorti voir, mais je n'ai vu personne s'enfuir. Pas de voiture non plus? Non, rien du tout. Allez-y, vous pouvez le retourner. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Léo. Axel. Bonsoir. Il a été tué de 2 balles dans le dos. Les projectiles sont ressortis par devant. On a son identité? Oui, il s'appelle Robert Hofmeister, il a 56 ans et il habite à la Santana Place. Où se trouvait le tireur? Vous avez retrouvé des douilles? Pas encore. Bon, au moins on a l'heure exacte du crime. 20h46. Il sortait du bar, là? Hofmeister était un habitué. Il y a passé presque 2 heures ce soir. C'est ce que m'a dit la serveuse. Il était avec des amis? Non, il était seul. À vrai dire, j'aurais bien reparlé à la serveuse. Elle était très secouée tout à l'heure. Ça marche. Vas-y avec Axel. Dis-moi, ton rencard doit encore être dans le coin, non? Pourquoi? Comme ça? Juste pour lui dire bonjour? Je suis désolé, mais elle n'est plus là. Ah bon? Elle a été témoin, pourtant. Elle aurait été témoin, oui. Si elle était venue au rendez-vous. Non, elle t'a posé un lapin. On peut dire ça comme ça, oui. Elle t'a eu, mon vieux. Vous permettez? C'est bon, j'ai fini, Léo. Je te tiens au courant rapidement, comme d'habitude, collègue. Merci. Le mien est éteint. Allô? Ici Riedmann de la police criminelle de Munich. À qui ai-je l'honneur? Elle a raccroché. Est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir juste avant les coups de feu? Je crois pas, non. Vous ne croyez pas? Vous n'avez qu'à poser la question à votre collègue. Il était là et il a fixé l'entrée toute la soirée. À quel moment Robert Hofmeister est-il parti? Il a payé. Il a disparu en coup de vent. Et à quel moment a-t-il payé? Une petite minute avant qu'on entende les coups de feu. Et dans les instants qui ont suivi, vous avez vu quelqu'un sortir du bar? Personne, non. Ça, j'en suis certaine. Juste après, votre collègue est revenu du parking, il a demandé à tous les clients de rester à leur place. D'accord. Robert Hofmeister était un habitué. À quelle fréquence venait-il ici? Plusieurs fois par semaine. Aussi souvent? Robert tient la pharmacie au bout de la rue. Il en est propriétaire. Enfin, avec sa femme. Et elle, vous la connaissez? Non. Robert venait toujours seul. Avez-vous relevé quelque chose dans le comportement de M. Hofmeister ces derniers jours? Il s'est attardé plus que d'habitude. Il a consommé beaucoup plus également. Donnait-il l'impression d'avoir des problèmes? Possible. Mais il n'en a rien dit? Non, aucune allusion. Bon, merci. On vous laisse tranquille. J'aurais encore une question. Connaîtriez-vous une jeune femme nommée Lola? Lola? Oui. Joli prénom. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de Lola parmi mes clients.
Merci. C'est pour elle que vous avez fixé la porte pendant tout ce temps, commissaire? Au revoir. Qui peut faire une telle chose? Ça, on ne le sait pas encore. Peut-être que vous avez une idée. Votre mari avait-il des ennemis? Ça m'étonnerait de lui. Il était toujours arrangeant avec tout le monde. Il ne supportait pas les conflits. Contrairement à vous. Effectivement. Et malgré cela, tout allait bien dans votre couple. On passait par des hauts et des bas. Et ces derniers temps? Ça s'était dégradé, dirons-nous. Pour quelle raison? Je ne souhaite pas en parler. Du moins, pas maintenant. Possédez-vous une arme? Non, voyons, quelle idée. Ce serait un peu trop facile, vous ne trouvez pas? Dites-nous quand même où vous étiez ce soir, entre 8 et 9 heures. D'accord. J'étais là, chez moi, seule. Merci, Madame Hofmeister. Nous vous tiendrons au courant. Au revoir. On trouvera la sortie. La voilà, justement. Madame Brüning? Oui? Richter de la police criminelle de Munich. Vous allez enfin me dire ce qui se passe? Je commence à m'inquiéter. Nous ne voulions pas vous en parler au téléphone. C'est au sujet de Robert? Je vous dirai ça dès qu'on sera dans la voiture. Je suis garé juste devant. Je vous en prie. On a retrouvé des douilles à cet endroit. On peut donc en déduire que l'auteur des coups se trouvait là quand il a tiré. Et moins de 30 secondes plus tard, je suis sorti par ici. Donc, il n'a pas pu prendre la fuite en voiture. Oui, c'est exclu. D'accord. Et quelles sont les issues possibles à pied? Là, on a un jardin. Et là, c'est la porte de la maison mitoyenne. Elle n'est pas fermée le soir. Il a pu s'enfuir par là. Vous avez trouvé des empreintes de pas? Pas pour l'instant. Tous ces indices donnent à croire que le coupable avait prémédité et minutieusement calculé les choses. Bonjour. Voilà Madame Brüning. Le commissaire Kress, qui dirige l'enquête, et mes collègues Heimann et Riedmann. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Je suppose que mon collègue Richter vous a déjà annoncé ce qui s'est passé. Oui. Je n'y comprends rien. Toutes mes condoléances. Est-ce que c'est pour voir Robert Hofmeister que vous êtes à Munich? Oui. Vous êtes arrivé quand? Samedi. Samedi après-midi, exactement. Pouvons-nous en déduire que vous aviez une liaison avec Monsieur Robert Hofmeister? En effet. Et à l'exception de vous deux, quelqu'un était-il au courant de cette liaison? Je ne pense pas, non. Mais vous n'en êtes pas certaine. Vous deviez rester combien de temps? Une semaine. Je voulais me trouver un appartement. Vous aviez pris cette décision en accord avec Monsieur Hofmeister? Cette question importe peu désormais. J'aimerais quand même savoir. J'ai pris moi-même l'initiative. Ah. Comment Monsieur Hofmeister a-t-il réagi? Il a été relativement surpris. Et donc, s'il était seul au Léos hier et pas en votre compagnie, c'est pour cette raison. Peut-être. Oui, enfin, je... Ça va, d'accord, j'admets. Nous nous étions disputés. À quel sujet? Je voulais officialiser notre liaison. D'un coup d'un seul? Oui. J'attends un enfant de Robert. Bonjour, Madame Hofmeister. Bonjour. Vous êtes attendue. Merci. C'est vous qui avez tué Robert? Qui êtes-vous pour vous permettre une telle insolence? Qui je suis? La femme que Robert aimait.
peut-être plutôt la femme avec qui Robert prenait un peu de bon temps. Vous saviez que Robert voulait vous quitter? Pour moi, il était prêt à tout plaquer. Pour moi et notre enfant. Écoutez, vous auriez dû me dire que c'était un flic. Non, j'arrête tout. Je veux mon fric et je le veux illico, d'accord? Vous saviez donc que votre mari avait une maîtresse? Oui. Votre couple en a-t-il beaucoup souffert? Mon mari n'en était pas à sa première aventure. C'était un besoin. Oui, mais cette fois, c'était plus qu'une aventure, non? Si vous le dites. Madame Hofmeister, pourquoi vouloir à tout prix nous donner l'image d'une épouse conciliante qui pardonne tout à son mari? Vous savez, Robert et moi, ça faisait tout juste 20 ans que nous étions mariés. On a construit notre vie ensemble. Jamais mon mari n'aurait remis ça en jeu. Vous avez des enfants? Non, Robert n'en voulait pas. Pas de vous, en tout cas. Ni d'aucune autre sur cette terre. J'en mettrai ma main au feu. Lola, ça pour une surprise. Salut, papa. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Mais si tu viens pour de l'argent, j'ai plus rien. Je viens pas pour l'argent, je viens pour te voir. Je nous prépare un café. Tu ne passes jamais sans raison. Lola, tu me caches quelque chose? Papa, je te dis qu'il y a rien. Tu as des ennuis? Je vais bien, arrête de te tracasser, tu veux? J'ai des projets. Je te raconterai. Tu vas être très fière de moi. Ah, Lola. Tiens, regarde. Ton péché mignon de la tarte tatin. C'est adorable. Ah, mais ne fais pas le café trop serré. Je le sais, voyons. Et pour votre pharmacie, vous comptez continuer seule? Je n'ai rien décidé encore. Mon mari est décédé hier soir, je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir à la question. Sur le plan financier, vous aviez des problèmes? Absolument aucun. Messieurs, vous perdez votre temps. Tout allait pour le mieux tant dans notre vie privée qu'au travail. Ces questions font partie du protocole, Madame Hofmeister. Ne croyez pas qu'on fasse ça pour le plaisir. Jusqu'ici, nous n'avons qu'un seul motif qui se détache du lot. À savoir? Excusez-moi. Rick, reste, j'écoute. Je transmets, merci. Gert, il y a de la visite pour toi en bas. Bonjour. Bonjour, Gert. Tiens, avant que j'oublie. C'est là que je suis censé dire merci. T'inquiète pas, j'ai rien touché. Bien, voilà. Ma mère, elle a fait une crise cardiaque hier. Et c'était affreux, j'ai pas pu venir. Je suis désolée. Je vous demande pardon de pas avoir prévenu. Et aujourd'hui, comment va votre mère? Mieux. Elle va certainement s'en sortir. Bon. J'avais encore une question. Laquelle? J'aimerais bien le faire pardonner pour hier soir. Et de quelle manière? On n'a qu'à dire rendez-vous ce soir, même heure, même lieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on m'a trouvé porte close. Vous n'avez pas lu le journal? Quelqu'un était abattu devant le Léos hier soir. Quoi? Vers quelle heure? Au moment où je vous attendais. Appelez-moi pour ce soir.
y a des gens honnêtes dans ce monde. Oui, honnêtes. C'est moi. Je viens de voir le journal. Qu'est-ce que vous avez foutu? Ça suffit, je veux mon fric. Non. Trois fois ce qui était convenu. Pour mon silence. Où? Ouais, je vois où c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce con-là a essayé de m'avoir, mais il me connaît mal. Je crois que tu t'es embarqué dans une sale histoire. Et lâche-moi, tu veux? T'as pas l'impression que les choses t'échappent, là? T'es encore pire que mon père! Vous me faites pas confiance, tous les deux! Merci. Salut Axel, tu vas bien? Mais il faut que ça tombe aujourd'hui. C'est où? Oui. Bon, j'arrive. Excusez-moi. Il faut que je file. Une jeune femme doit arriver, une certaine Lola. Lola Winkler. Pourriez-vous lui dire que j'ai dû partir plus vite que prévu? Ça marche. Et demandez-lui qu'elle m'appelle, d'accord? Bien. Bon, je vous dois combien? 3,60. Gardez la monnaie. Et vraisemblablement, le coupable s'est arrêté là. Oui. Ensuite, il a sûrement traîné sa victime jusqu'ici. Les traces sont sans équivoque. On voit qu'il a essayé de se défendre. Et c'est là qu'il lui a tiré dessus. Et avec ce vacarme, personne n'a entendu les coups de feu. Tiens, voilà Gert. Oh! Je m'en charge. Gert, il faut que je te dise quelque chose. Oui, quoi? En fait, il se trouve que la victime... c'est la jeune femme de cet après-midi. Lola. Tu en es sûr? Une balle à bout portant en plein cœur. Vous voyez ici, on voit encore les traces de poudre. Alors, elle n'a pas souffert? C'est exact. Elle est morte sur le coup. Bon, je vous tiens au courant. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hey, dis-moi, Gert. Axel m'a dit qu'elle et toi, vous deviez prendre un verre ensemble. Personne. Je propose qu'on ouvre. Oups. Qu'est-ce que c'est? Agent Richter et Riedman, police criminelle. Pourquoi vous n'ouvrez pas quand on sonne? Parce que je suis pas d'humeur. Vous vivez ici? Ouais, et alors? Comment vous avez eu les clés de Lola? On vous expliquera une fois entré. Permettez. Qui est-ce qui l'a trouvé? Un type en voiture. Il avait son coffre plein d'ordures. Et il voulait sans doute les décharger dans le coin. Au lieu de ça, il a trouvé un cadavre. Cette histoire t'a pas mal chamboulé, non? Oui, c'est vrai. C'est quand même curieux. Elle et moi, on se donne rendez-vous deux fois et à chaque fois, quelqu'un trouve la mort. Hey, tout ça, c'est bien singulier. Tu arrives à y voir un rapport, toi?
Non, Léo, pas la moindre idée. Pour l'instant. Et dis-moi, pourquoi tu as décidé de donner un deuxième rendez-vous à Lola Winkler? C'est en tant que policier ou en tant qu'ami que tu me demandes ça? Si j'arrivais à dissocier les deux. Alors au policier, je dirais que je ne souhaite pas répondre. Quant à l'ami, je lui dirais que je ne me l'explique pas non plus. Comme on dit bien souvent, le cœur a ses raisons. Mademoiselle Winkler, vous a-t-elle dit où elle allait ce soir? Elle n'a rien dit. Avait-elle rendez-vous? Peut-être, j'en sais rien. Mais vous êtes bien son petit ami, non? Et alors? C'est pas pour autant que je suis censé tout savoir. Vous possédez un véhicule? Non. Ces derniers temps, Mademoiselle Winkler avait-elle de quelconque problème? Sans arrêt. Quel genre de problème? De boulot, de fric. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Non. J'ai rien à dire. Lola est morte. Lola est morte. Lola est morte. Monsieur Herzog, je vous prierai de vous rendre au commissariat demain matin 9h. Nous poursuivrons cette conversation. Tenez. Au revoir. Au revoir. La plus terrible des souffrances, c'est de voir son enfant mourir avant soi-même. Quand avez-vous vu votre fille pour la dernière fois? Aujourd'hui. Elle a débarqué d'un coup. Ça m'a étonné. Ça a quoi d'étonnant? Lola ne me rend des visites que très rarement. Si bien que je me disais parfois qu'elle m'avait oublié. Moi, son pauvre père. Et aujourd'hui... Votre femme et vous êtes séparés? Ma femme est morte depuis des années. La mère de Lola est morte? Oui, ça fera 12 ans dans un mois. La plus bouleversée, ça a été Lola. La mort de mon épouse l'a complètement déboussolée. Comment ça s'est manifesté? Elle a abandonné l'école. Et... disons qu'elle vivait de petits boulots. Je n'ai rien pu faire contre. Pour en revenir une dernière fois à la visite de votre fille, vous souvenez-vous de l'heure exacte de son passage? C'était dans l'après-midi, je dirais vers 15h. On a pris le café tous les deux. Vous a-t-elle dit quoi que ce soit sur ce qu'elle avait prévu ensuite? Rien de concret, non. Elle a dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Et je me souviens, elle a dit aussi que j'aurais bientôt de quoi être fier d'elle. Oui. Mais je ne l'ai pas prise au sérieux. Ma petite Lola. Bien, monsieur, nous n'avons plus de questions à vous poser. Merci. Puis-je vous demander de quoi est morte votre femme? D'une crise cardiaque. Bonne nuit, monsieur Winkler. Bonne nuit. Après coup, je me dis qu'elle a menti sur toute la ligne. Alors, est-ce que Lola Winkler a un casier? Non. J'ai vérifié. En tout cas, personne ne se fait tuer pour un portefeuille volé. Il devait y avoir bien plus en jeu. Alors on fait quoi maintenant? Dans l'affaire Hofmeister, on n'a pas avancé d'un iota. On devrait refiler l'affaire Winkler aux collègues, éventuellement. Enfin, je dis ça pour toi, Gert. Ah! Vous faites pas de soucis pour moi. Eh, bon, allons-y doucement. Qui nous dit que les deux meurtres ne sont pas liés d'une manière ou d'une autre?
Moi, j'y vois aucun rapport. Bon. Mais c'est pas qu'une question de hasard si au moment des deux meurtres, Gert avait justement rendez-vous avec Lola Winkler dans le coin. C'est pas faux, ça. Salut la compagnie. Bonjour. Je viens juste du labo. Ah, alors quoi de neuf? Les traces proviennent d'un pneu 55 SP30, selon eux. C'est une marque française adaptée à n'importe quelle grosse limousine. Ça nous fait une belle jambe. Quoi d'autre? Ils ont examiné le portable de la fille. Le dernier numéro composé est celui d'une cabine à Gizing. C'était hier soir à 18h pile. Tu as envoyé quelqu'un vérifier? Oui, évidemment. Justement, la veille, un coup de fil a été passé vers cette même cabine publique à midi précise. Ça m'étonnerait que ce soit le simple fruit du hasard. Je m'excuse de vous ennuyer si tôt. Il fallait absolument que je vous parle. Allez-y, entrez. Merci. Comment ça a pu arriver? J'en sais rien. Rien du tout? Lola avait l'air si étrange. Elle est venue vous voir? Oui. Elle a insinué qu'elle aurait bientôt beaucoup d'argent. Mike, dites-moi ce que vous savez. J'ai rien à vous dire. Mike, je vous en prie. Elle m'avait rien dit de ses projets. Elle avait donc des projets? Oui, sinon elle serait certainement encore en vie, non? Oui. Café? Non, merci. Ils sont venus vous voir, vous aussi? Qui, les poulets? Ouais. Ah, alors? J'ai rien pu leur dire de plus qu'à vous. Il faut que je file. Nouveau job? Si seulement. Les flics m'ont convoqué. Je voudrais revoir la chambre de Lola, si ça ne vous embête pas. Faites comme chez vous. Je m'appelle Mathias. Mike. Nous sommes convaincus que vous en savez un peu plus que ce que vous avez prétendu hier soir lors de notre petite visite. Vous devriez pourtant avoir à cœur de nous aider à retrouver le meurtrier de votre petite amie. Alors, qu'est-ce que vous savez? Pas grand-chose. Dites toujours. Les détails ont de la valeur, eux aussi. Lola a fait la connaissance de quelqu'un, il y a 3 ou 4 semaines. Elle a mentionné un nom? Non. Un homme ou une femme? Un homme. Elle parlait toujours de lui au masculin. Et dans quel but le voyait-elle? D'après elle, il y avait du pognon à la clé. Rien de bien légal. Il fallait faire quoi? Lola devait baratiner un gars et faire en sorte qu'il finisse par accepter un rendez-vous quelque part. Dans quel but? Ça, j'en sais rien. Et je crois que Lola l'ignore aussi. Enfin, l'ignorait. Et est-ce que vous savez au moins quelque chose sur la personne qui était visée? Ouais, c'était justement un flic. D'ailleurs, elle a failli péter un plomb parce que personne ne le lui avait dit. Et vous ne savez vraiment pas pourquoi Lola avait pour mission d'aborder cette personne? Une histoire de compte à régler? Une vengeance? Et de qui s'agit-il? À vous de me le dire. Est-ce qu'elle est morte? Vous la connaissez? Je ne crois pas, non. Non, pas de doute, je ne l'ai jamais croisée. Le nom de Winkler vous dit quelque chose? Lola Winkler. Winkler? Non. Est-ce qu'elle a un rapport avec la mort de mon époux? Vous le saurez en temps voulu. Au revoir. Merci, monsieur Herzog. Vous pouvez disposer. Je vous raccompagne.
Nos collègues vont passer chez vous pour relever des empreintes. Tu le crois, toi? Je ne vois aucune raison de ne pas le croire. Alors, comme ça, quelqu'un a payé Lola Winkler pour qu'elle me donne rendez-vous. Ou Léos. Et cette histoire de portefeuille volé, c'était juste afin de s'assurer que tu viendrais. Et ça ne nous dit pas pourquoi cette personne a voulu que je sois témoin de la mort de Hofmeister. Non. C'est mystérieux, tout ça. C'est moins mystérieux si on considère que Hofmeister était au mauvais endroit au mauvais moment. Je vois où Léo veut en venir. Les mêmes cheveux blancs, la même silhouette. Oui. Il faisait presque nuit dans la rue. La voiture de Hofmeister était garée juste à côté de celle de Gert. Toutes les deux gris métallisées. Le tueur est arrivé par derrière. Alors, vous pensez que le tueur nous aurait confondu, Hofmeister et moi? C'est après moi qu'il en a. Ça m'en a tout l'air, Gert. C'est sans doute pour ça que dans l'affaire Hofmeister, on n'avait pas de motif valable. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on cherche quelqu'un qui déteste Gert au point de vouloir le tuer. Et qui, pour cette raison, a déjà abattu deux personnes. Gert, dès maintenant, tu es sous haute protection. Il faut qu'on le trouve et sans perdre de temps. Des trucs parmi ses affaires? Plus tard, peut-être. Tu as pu aider la police? J'en sais rien. Sais-tu si Lola avait un certain Hartwig dans ses connaissances? Hartwig? Oui. C'est censé être un prénom ou un nom de famille? Un prénom, je dirais. C'est carrément démodé comme prénom. Non, ça me dit rien du tout. Mmh. Oui, bon, allez. Je file. Au revoir, Mike. Au revoir. D'accord, merci, collègue. Aucun doute, Robert Hofmeister et Lola Winkler ont bien été tués avec une seule et même arme. Comme on le pensait. Dis-moi, Gert, si tu voyais un motif lié à ta vie privée à l'origine de cette soif de vengeance, tu nous le dirais, non? Sans hésiter. Aucun secret croustillant qui remonterait de quelconque tréfond? Je me vois obligé de vous décevoir, chers amis. Ah, c'est pour la forme qu'on demande. Revenons aux choses sérieuses. Ça pourrait très bien être quelqu'un qui a décidé de se venger de nombreuses années passées en prison. Tu as raison, jette donc un petit coup d'œil aux libérations qui ont eu lieu ces derniers mois. Ça urge, il faut faire vite. Déjà deux victimes. Pour Hofmeister, il y a eu confusion. Mais pourquoi Lola? Ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait réclamé plus d'argent, plus que le meurtrier n'était prêt à lui en donner. Mademoiselle Winkler avait-elle un ordinateur? Non. Vous savez si elle tenait un journal intime? Un journal? Pas que je sache. Werner? h appelé Hartwig. Ça coïnciderait avec l'heure du coup de fil de la cabine. Exactement. Mm-hmm. Vous savez qui peut être ce dénommé Hartwig? Aucune idée, mais
Vous êtes le deuxième à me demander ça aujourd'hui. Tiens, tiens. Qui d'autre vous a posé cette question? Bonjour, Hartwig. Mathias? Ça pour une surprise, dis donc. Mais vas-y, entre. Tu voulais t'en aller? Non, oh, ça peut bien attendre un peu. Mais oh, ce que je suis contente de voir. Allez, tu prendras bien un café. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Que devient ta charmante fille? Elle doit bien avoir 20 ans facile maintenant. Lola est morte. Quoi? Lola? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je suis venu te voir. Est-ce que tu as vu Lola ces derniers temps? Si j'ai vu Lola? Mais qu'est-ce qui peut te faire croire ça? Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. C'était juste une idée. Et vous ne vous êtes pas téléphoné non plus? Bien sûr que non. Dis-moi, Mathias, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Je ne te retiens pas plus longtemps. Je t'appellerai sans faute, un de ces quatre. Ça me ferait plaisir d'aller prendre un verre avec toi. Crois-moi, Mathias. Je compatis, je sais que c'est dur. C'est sincère? Oui, très sincère. Au cours des derniers mois, il y a eu 2 libérations. Alors? Eh bien, d'après ce que j'ai trouvé, tu n'étais impliqué dans aucune de ces 2 affaires. Oui. J'ai passé en revue toutes les anciennes affaires, mais je n'ai trouvé personne qui m'aurait menacé. Les types discrets sont souvent les plus dangereux. Ça vous dit quelque chose, Hartwig? Ça peut être un prénom ou un nom de famille. Hartwig? Non, ni l'un ni l'autre. C'est le gars de la cabine téléphonique. Ah, et encore autre chose. Le père de Lola Winkler s'est intéressé à lui. D'où tu tiens ça? De Mike Herzog, le petit ami de Lola. Il faut qu'on garde le père à l'œil. Il risque de vouloir régler ça par ses propres moyens. Mike? Oui. C'est Mathias. Oui. Est-ce qu'on peut se voir rapidement? Je suis à la salle de boxe. Comment tu dis? À la salle de boxe, près de chez moi. Oui, oui, d'accord. Okay. Je trouverai. À tout de suite. Il y a un truc qui n'est pas net, je te dis. Pourquoi il attend 2 heures devant le commissariat? Il doit y avoir une raison. Ce type avec qui Lola avait rendez-vous, c'était un poulet. Alors c'est lui qu'Hartwig veut abattre. Tu veux dire? C'est ce Hartwig qui aurait tué Lola? Thank you.
bien dormir quelques jours chez moi, le temps qu'on sorte de ce cauchemar. Non, ça peut prendre des semaines, voire des mois, et j'ai pas envie de me cacher. Tu connais ce Hardwick, en fait? On était voisins de palier avant la mort de ma femme. Voisins de palier? C'est quoi son nom, Westphal? Oui. Je connais un Ralph Westphal. Oui, c'est son fils. Comment tu le connais? Juste par Lola. Je l'ai aperçu une fois ou deux. Il pourrait nous aider, peut-être, non? J'en doute. Et pourquoi? Il est en cabane. Ça fait 2 ans. Tu savais pas? Non. Il a buté un mec. Tiens, tiens. Le voilà, Ralph Westphal. Oui. Décédé il y a 3 mois. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regrette, mais je n'ai pas le droit de délivrer des informations de cet ordre. C'est avec ses proches qu'il faut voir ça. Ah, monsieur Winkler. Bonjour. Content de vous voir, on vous cherchait. Pourquoi? Alors, prenez d'abord place. Oui. Monsieur Winkler, j'ai appris que vous vous étiez intéressé au nom de Hardwick. Tout à fait. C'est pour ça que je suis là. Vous avez la parole. J'ai trouvé ce papier dans le bureau de ma fille. Et Hardwick, c'est un nom assez rare, ça ne s'oublie pas. Donc vous connaissez un Hardwick? Oui, Hardwick Westphal. C'était un de mes voisins. Je suis allé le voir hier. Et? Hardwick a nié en bloc avoir été en contact avec Lola ces derniers temps. Y compris lui avoir parlé au téléphone? Oui. Mais je ne l'ai pas cru. Westphal, vous avez dit? Oui. Gert, tu te souviens certainement de la fameuse affaire Westphal? Oui, je m'en souviens parfaitement. Le tueur était un certain Ralph Westphal. Oui, Ralph Westphal. C'était le fils unique de Hardwick. Petit, il jouait souvent avec ma fille. Une minute. Vous avez dit, c'était le fils unique? Oui. Ralph est mort en prison il y a 3 mois. De quoi? Ah, ça, ils n'ont pas voulu me le dire. Merci sincèrement d'être venu, monsieur Winkler. Votre aide nous sera précieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Vous trouverez la sortie? Oui. L'avocat de Ralph Westphal avait plaidé la légitime défense à l'époque. Et après mon témoignage devant la cour, c'est le meurtre qui a été retenu. Et il a écopé de la peine maximale. Ralph Westphal s'est pendu dans sa cellule. Et donc le père met ça sur le dos de Gert. Ah, enfin! Cette fois, on le tient, notre motif. Police! Ouvrez! On y va. La voie est libre. La voie est libre. La voie est libre. Oui, ici Richter. Envoyez du renfort. Faut trouver Hardwick Westphal et on n'hésite pas sur le nombre. Et attention, le type est armé, il est dangereux. Oui. Salut, il a tout un escadron à ses trousses. On n'a plus qu'à patienter. Et espérer qu'on sera plus rapide que lui. Mettez-vous à sa place une seconde. Cet homme ne pense plus qu'à une chose, il n'a qu'une idée en tête. Il veut te faire payer le fait que son fils se soit donné la mort en prison. Faut t'attendre à chaque instant à ce qu'il soit sur tes talons, Gert. Thank you.
pas de faux mouvements. Entrez tout doucement. Voilà le moment que j'ai tant attendu. Ne bougez plus. Votre heure a sonné, monsieur Heyman. Ah, on ne bouge plus. Allez, à terre. Allez-y. À terre. Fouillez les autres pierres. On ne bouge plus. Allez, vous êtes en état d'arrestation. Vous allez nous suivre. Allez, levez-vous. Ça va hier? Tiens le choc?